après, il faudra revenir. Ce qui va déjà être une autre paire de manches. Allez. Ouverture des magasins. Après, c'est vrai que je pourrais faire un peu ce que je veux, aller faire et puis le voler carrément. Je suis là pour lui vendre des trucs, pas pour lui en acheter. Ah, c'est pas l'Empire sacré, c'est la Nation sacrée. Bon, j'oublie à chaque fois. Stockage des minerais, intéressant. Vous aurez Zerine des Résentes. Ouais. Si ça pouvait s'ouvrir. Ouvre-toi, arrête de faire. Oula, j'ai l'impression qu'il y a tout qui s'est animé d'un coup. Ah voilà. Fais-moi voir ce que tu vois. Tu vois des livres, c'est pire. Tu sais lire, c'est une chose importante. Ouais, les trucs sacrés, on s'en fout. Petit garçon qui a été démembré par des squelettes. Ok. Ça envoie l'ambiance. Non, c'est plutôt. On va plutôt essayer de faire du B9. Quoi. Et puis de toute façon. Bonjour, viens vous voler. Enfin, on arrive à 50 pour évidemment vous acheter des trucs, enfin vous vendre des trucs, plutôt vous convaincre d'acheter nos merdes, ça serait plus exact. Dans la prochaine session, il vaut mieux ne pas vendre la bouffe. Ouais, petit à petit, hein, je me refais de l'argent. Je commence à me demander si c'est vraiment une excellente idée de faire des séries de vidéos sur Kenshi en fait. Parce que finalement, le but du jeu c'est juste d'errer au pif, enfin, de faire un peu ce qu'on veut et limite d'errer au pif et de déglinguer les mecs qu'on croise, mais. Enfin, ça marchait bien avant qu'il y ait cette map, parce qu'il y avait des groupes qui enfin, se faisaient un groupe sans arrêt. Il y avait moyen de se faire de l'argent comme ça, on pouvait récupérer des primes. Autant là. J'ai pas croisé de mec intéressant, enfin je veux dire, à part les bandits affamés qui sont de toute façon des espèces de clodos, enfin qui sont des clodos dans cet univers, hein, faut quand même le dire. Faut dire ce qu'il y a au bout d'un moment. Juste des clodos un peu menaçants, bah. C'est pas les bandits de poussière, quoi. C'est pas les deux bandits. Ah, la vente de coton. Ça vaut rien, mais bon. Donc ouais. Avant de pouvoir de l'aventure là, je verrai pas de groupe de bandits géants attaquer la ville. Ça c'est sûr et certain.
C'est sûr qu'il faut que je change de magasin maintenant. Ouais. Après, le problème, c'est que pour savoir quoi faire avec la suite de Forteresse, faut aller regarder sur le wiki, mais après, j'aime pas faire ce genre de choses, je préfère aller explorer. Mais j'aime bien me faire une base. Oh, tiens, je peux lui poser des questions. Lui, il a des compétences, il peut poser des questions. Je vais regarder le wiki, donc je sais très bien qu'il n'y en a aucun ici qui en a. Donc, inutile de fouiller. Bon, alors le wiki est pas à jour. Mais ça m'étonnerait. Enfin, ça m'étonnerait que le wiki se plante à ce point-là. C'est bon à savoir. Bon bah voilà. 53 000. Un joli petit bénéf quand même. Allez, c'est parti. Je ne vous fais pas confiance, bête. C'est là où je me pose des questions. Pourquoi certains trucs de la nation sacrée on a pu y aller avec nos monstres, enfin avec les monstres, les femmes et tout. Il y en a d'autres, ils sont hyper misogynes. Et, enfin, ce que j'ai pu voir dans le lore, en lisant, ils sont tous misogynes. Mais pourquoi dans certaines villes les femmes sont aussi bridées et pourquoi les mecs non humains se font autant détester à d'autres endroits enfin. Oh putain! Ouais, qu'est-ce que je disais? Non. Oui. Non, on va éviter, sinon il va me taper. Alors oui, une tête qui a traduction. Je connais mieux mes esclaves, oui. Ils seront d'un meilleur usage pour moi qu'au clergé. Celle-là, elle est bien. Je le suis, oui. Enfin, je le peux, oui, plutôt. Ah, bordel. Oui, je les connais mieux. Ouais, voilà. Oui, je le sais mieux, oui. Je suis plus sacré que le. Enfin. Je suis plus pieux plutôt. Plus pieux que le clergé ne pourrait jamais espérer l'être. Ce n'est pas ce que je voulais dire, vous méprenez. Évidemment, enfin, évidemment. Bien sûr que non, mais j'ai besoin que. Non mais. J'ai besoin de mes esclaves pour aider à répandre la parole d'Ocrane. Je pense que ça serait mieux. Allez-y, répandez la parole, mon frère. Ocrane a besoin de beaucoup plus de recrues dans la croisade contre les ténèbres. Vos bêtes vous donneront un goût. Un bon. Ah, l'orage. Désolé, mais à chaque fois que je vous fais des trades, elles sont assez approximatives. Désolé. L'évrage. Ah ouais. Alors déjà, la dernière fois, quand j'ai fait la trade, je me suis rendu compte après coup hein, que j'avais fait une légère, que j'avais fait une erreur de traduction. Et, oh, serait simple, serait-ce utile, est-ce qu'il serait utilisable? Si oui, on va y aller.
À la base, on devait pas aller par là, mais c'est pas grave. C'est ça, exploration aussi. Oh, est-ce qu'on peut y aller? Quoi? Ah non. Ah bah si. C'est juste, faut pas cliquer sur le pont en fait. Ta-na-na-na. Bon bah ok, c'était pas du tout par là que je comptais passer à la base. Du coup, on va aller où? Ouais, bon, on va explorer par là, on va bien voir ce qu'on va trouver. Ça, par contre, je sais pas du tout ce qu'il y a. Je crois que ça va être ça les prochaines sessions, juste explorer. Explorer au pif. Voir un peu ce qu'on trouve. Revenir quand on est à moitié crevé. Se remettre d'aplomb et repartir. C'est pas si mal comme mode de vie. Allez, les cannibales, les bandits, je sais pas, quelque chose. N'importe quoi. Juste un peu d'activité. On a commencé à perdre quelqu'un. On a commencé à perdre plein de gens en fait. Ok, tout le monde est là. Du désert, du vrai désert. C'est du vrai désert? Ouais, c'est du sable. J'adore, je vais au nord. C'est comme si j'allais au sud en fait. Niveau design. Enfin, pas design, mais niveau environnement. Ça doit être ça, le réchauffement climatique. Je crois que ce genre de marque, c'est des traces d'eau en fait. Des coulées, les traces d'une ancienne coulée d'eau. Maintenant, question, comment des arbres peuvent pousser dans le désert? Discovered Holy Farm, ils sont partout, merde. Non, mais je risque pas de. Ouais, l'aventure, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Ça va, pas de problème avec mon mutant. Ouais, bon. Visiblement, ça dépend des paladins. Ce qui est pas un mal en soi. Hein. Je veux dire, le fait que les interactions avec les. Enfin, que les PNJ réagissent. Pas systématiquement de la bonne manière, enfin pas de la bonne manière, de la même manière, qui agissent de manière assez aléatoire, genre comme avec ce paladin où ils vont pas me faire tous chier, que ça soit assez random, j'avoue que c'est pas mal. Parce que du coup ça fait que genre il y a des paladins ils sont plutôt cool et puis il y en a d'autres c'est des connards. Non c'est vraiment bien pensé ça, c'est une bonne chose. J'aimerais que ça soit aussi le cas par exemple dans des RPG genre les Elder Scrolls ou. On se retrouvait genre avec des gardes qui auraient pas tous le même comportement. Ce serait pas juste des copies carbone. Mais où genre il y en a qui pourraient être de vrais connards et vraiment faire chier. Comme certains pourraient vous reconnaître même si vous avez une petite prime parce que genre ils oublient jamais un criminel quand ils en voient un. Alors que d'autres, même si vous avez une prime de 10 000 sur la tête, ils vous remarqueraient pas. World's End. Voilà. C'est des fans de. C'est des fans de J-pop, c'est ça? Si vous voyez de quel titre je parle, vous êtes des bons.
C'est là-haut. Une ville, ça veut dire recruter des gens pour la guerre. Enfin, pas pour la guerre, mais pour l'exploration pacifique. Évidemment, exploration pacifique à courant coup d'épée dans la gueule. Alors, c'est évident. J'espère juste qu'ils sont friendly. J'ai pas envie de tabasser tous les gardes d'une ville aujourd'hui. Enfin, j'ai jamais envie de tabasser tous les gardes d'une ville. Surtout quand ils ont genre 3 fois mes stats. Voilà. Identification. Tech Hunter. Ah, mercenaire heavy, Tech Hunter. Kumo, Tech Hunter. Super assuré. Quoi? J'ai entendu des histoires. Ah merde. Préparez-vous. Préparez-vous, ma soeur. Sister, je crois que t'as écrit. Ok, mais ça. Ah oui, il va falloir l'importer là, c'est là, je confirme. Délicieux. Des bugs graphiques. C'est parfait. J'adore les bugs graphiques. Comment ça se fait que ce jeu ait autant de bugs? Ah ouais, ce sont les gardes du coin. Visiblement, c'est pas des racistes. Déjà, c'est pas trop mal. Bonne journée. Oh oui, ils me questionnent pas, ils m'ont jamais vu, mais ils s'en foutent. Je vais finir par avoir mal aux yeux, ça continue. Ah, bordel. Il faut au moins un magasin. Ça, c'est quoi, votre QG, votre... Ah. D'accord, on a un magasin. Beaucoup, j'apprécierais qu'ils vendent des ancient books. Quel plaisir. Seulement pour un tout petit truc en fait. Bien sûr, je parie qu'il y a un bar. Ah oui, ici, par hasard. Et bien sûr, juste à la limite de la zone de bug. Ninja Guard. Oula! Ils ont des Ninja Guard. Faudra faire gaffe. Désolé pour ces flashs lumineux désagréables. Alors, bonjour les gens, on recrute tous les clodos que vous avez. On a besoin d'une expédition kamikaze. Allez, tu rentres. Je sais pas qui tu es, mais je te prends quand même. Parce que j'en ai rien à battre. Toi, tu as l'air badass. Je te veux. Mais tu es un garde. Ouais, donc ça sert à rien. Donc Gills avec quasiment rien de stats. Enfin, c'est un clodo, hein. C'est clairement de clodo qu'on a ramassé. Même des sabres rouillés, enfin bref. Une vraie tenue de clodo. On va continuer par là. Save. Voilà. Parce que nous réserve un peu ce canyon. J'ai hâte de découvrir ça. Ils courent vite ces deux-là. Bon, en même temps, ils sont à poil, donc c'est pas tellement étonnant.